La malnutrition aiguë touche environ 45 millions d'enfants dans le monde. Deux tiers vivent en Asie et un tiers en Afrique. Des traitements efficaces existent. On atteint des taux de guérison de plus de 95%. Seulement, le problème principal, c'est que moins de 30% des enfants ont accès à un traitement. L'ONG Alima a développé une prise en charge simplifiée et optimisée qui consiste à prendre en charge tous les enfants malnutris aigus au sein d'un seul programme en utilisant un seul produit thérapeutique avec un dosage optimisé. Pour tester cette nouvelle stratégie, nous avons décidé d'aller dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. Et donc nous avons sélectionné 1000 enfants qui ont été tirés au sort entre notre nouvelle stratégie et la stratégie actuelle pour vérifier si cette nouvelle stratégie fonctionnait. On a pu montrer que ce programme unique permettait de traiter 30% d'enfants en plus avec 20% de coûts de traitement en moins, tout en menant un statut nutritionnel meilleur au cours des 6 mois de programme et à moins de rechutes. Ce succès a été rendu possible grâce à un partenariat innovant entre des chercheurs de l'INSERM, de l'IRD, de l'Université de Bordeaux et des humanitaires de l'ONG Alima.